OnlyFans. Fucking OnlyFans. C'est pas mon genre de vidéo, pas tout à faire. Vous le savez, je travaille sur les réseaux sociaux à tous les jours. Et dernièrement, je suis tombé sur un article sur la chaire Lisandre Nadeau. Je sais pas si vous connaissez Lisandre Nadeau, une personne, une influenceuse du Québec, qui aime beaucoup se montrer nue, qui a 240 000 abonnés, donc qui a un esti de troll et de fille qui regarde ce qu'elle fait au quotidien, qui s'est parti un OnlyFans et qui est fière de montrer à quel point elle fait de l'argent pour en faire une expérience. On est officiellement 1000 sur mon compte OnlyFans, puis j'ai fait 17 000 US. Donc, elle aurait fait environ 31 000 USD. Bravo, esti. En montrant son corps, en montrant ses mamelons, comme elle le dit si bien, dans son compte OnlyFans. Premièrement, avant de rentrer plus dans le sujet, c'est quoi ça, esti, OnlyFans? OnlyFans, c'est une plateforme incroyable de créateurs avec beaucoup, beaucoup d'imagination. C'est une plateforme, esti, que les gens montrent de plus en plus leur partie du corps, leur sein, leur vagin, leurs fesses. Et pour obtenir de l'argent à tous les mois, dans le fond, les personnes qui sont intéressées à suivre le profil d'une personne doivent payer un montant récurrent mensuellement. Donc, mettons que moi, mes petites fesses poilues, vous voulez les voir à tous les mois, si. Je me fais un compte OnlyFans et toi, tu dois t'abonner sur mon OnlyFans et ça te coûte 5, 10, 15, 20 piastres par mois pour voir tout le temps des photos de mon petit poil frisé. Évidemment, OnlyFans se prend une cote là-dessus, donc vous faites le reste de l'argent. Donc, c'est vraiment une super méthode. Et le gros problème que j'ai avec ça en ce moment, c'est que, bon, dans le passé, il y avait le porn classique, il y avait la webcam. Et la seule façon qu'on pouvait découvrir si une fille faisait du porn, c'était si quelqu'un l'annonçait au grand jour. Si quelqu'un regardait une vidéo, découvrait « Hey, esti, je connais cette fille-là, me semble ». Et au final, le disait à tout le monde, c'est comme ça qu'on découvrait les gens qui veulent faire du porn ou de la webcam en cachette. Et c'était bien correct comme ça parce qu'honnêtement, j'ai rien à dire contre le porn. Le problème que j'ai aujourd'hui avec OnlyFans, c'est que toutes les jeunes filles dans le fitness, les jeunes filles qui aiment montrer leur corps, les jeunes filles qui prônent la sensualité et l'ouverture d'esprit pour le corps de la femme, aiment pouvoir partager leurs photos de cette façon-là et de cette façon-là vont le monétiser. Ah ben Chris, changement de décor, je suis en train de faire l'édit de cette vidéo-là et je me suis dit, il faut que je rajoute ça justement à la vidéo. Je suis en train de faire des recherches pour les images, pour la vidéo et je suis tombé sur Google, sur Lisandre Nadeau OnlyFans Leak. Donc pour ceux qui sont pas très bons en anglais, leaks, c'est des personnes qui essaient de voir ces photos d'elles nues sans payer. Donc, c'est un autre problème encore une fois, c'est que les personnes qui payent pour ça, first, c'est des astis dégueulasses, comme j'ai déjà dit, et il y a la possibilité que ces gens-là fassent des screenshots, des whatever, et les partagent ailleurs. Donc, ta petite confidentialité que tu avais dans les gens qui payaient est très possible. Et quand tu es une influenceuse comme ça, qui a plusieurs milliers d'abonnés, 240 000 abonnés, il est très possible qu'un astis tarlant de Longueuil prenne un screenshot de tes photos et les mettre à la vue de tout le monde. Et je dis pas que c'est grave, mais ton but de faire de l'argent avec ça va rapidement disparaître et je trouve ça dégueulasse que justement des gens avec autant peu de style de respect pour les autres vont justement aller chercher comme ça à partager les photos et d'autres dégueulasses vont aller sur Google et vont écrire « Hey, sont où les leaks pour essayer de trouver les photos d'elles nues gratuitement? » C'est dégueu. On retourne à la vidéo. Et le plus gros problème avec ça, c'est la communauté des réseaux sociaux. En ce moment, avec l'essor de TikTok, on se rend compte à quel point la communauté qui utilise Instagram, Facebook, TikTok est de plus en plus jeune. Mon frère a 11 ans et a une chaîne YouTube et a un compte TikTok et a un compte Instagram. Et c'est pas anormal à son âge. Tous les jeunes ont des cellulaires maintenant et tous les jeunes commencent à avoir accès justement aux réseaux sociaux. Donc, lorsqu'on voit une influenceuse comme Lisandre Nadeau, qui a 240 000 abonnés, on peut comprendre que la majorité de ses abonnés, c'est des jeunes filles. Des jeunes filles en bas de 18 ans qui la regardent palmer sur elle. « Ah, elle est populaire, elle fait de l'argent, je veux être comme elle. » Et c'est là le plus gros problème que j'ai avec OnlyFans parce que on se mentira pas. J'ai absolument rien à dire contre la pornographie. J'ai absolument rien à dire contre les webcams, contre absolument quoi que ce soit en fait.
Ce qui me dérange, c'est qu'on met ça en pleine face chez les jeunes. Je le dis souvent en story sur mon Instagram, je ne sais pas si c'est parce que je vais être papa bientôt et en plus papa d'une jeune fille, mais on dirait que ça ne me revient pas à quel point le sexe, le corps de la femme est rendu, c'est rendu minimisé. C'est plus grave de se montrer son corps comme ça. Et d'un autre point de vue, je change complètement aussi, les personnes qui payent pour voir ton OnlyFans, tu penses pas que c'est des calices de dégueulasses? Tu penses pas que c'est du monde un petit peu fucké dans la tête qui ont justement un problème mental pour payer 10 à 20 piastres par mois pour te voir toi tout nu quand ils peuvent aller sur YouGiz, sur Pornhub, sur Brazzers pour 1$ asti? Mais ils vont payer pour te voir toi. C'est que c'est probablement des astis de fucké honnêtement qui vont venir te voir comme ça. Donc premièrement, c'est ça qui me dérange, la communauté de personnes qui regardent les OnlyFans des personnes, des jeunes filles qui monétisent ça comme si c'était leur grand business. Et d'un autre côté, c'est l'exemple qu'on donne à nos jeunes. Les jeunes filles qui te voient aller, Lisandre, les jeunes filles qui regardent les autres influenceuses avec leur lien OnlyFans. Et comme ça, son expérience que Lisandre fait en ce moment, à voir « Hey, j'ai fait 31 000, c'est donc ben drôle, je sais plus quoi faire avec tout cet argent-là. » Qu'est-ce que la jeune fille qui est à l'école en ce moment à l'université, qui struggle avec son salaire de style de pauvre au McDonald's à salaire minimum, qui veut aller avec ses chums, qui n'est pas capable d'aller au restaurant, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire en voyant ça? Elle va comprendre qu'elle peut utiliser son corps pour monétiser le tout et elle va sûrement se partir OnlyFans parce qu'elle veut être comme toi, Calis. Elle veut être comme toi, elle veut faire pareil que toi dans la vie, elle veut faire de l'argent comme toi. Donc en ce moment, tu lui donnes l'exemple de « Hey, va montrer ton corps. » Toi, t'es à l'aise avec ton corps, peut-être que toutes les jeunes filles ne seront pas, peut-être que c'est pas à toi non plus à les inciter à faire ça. Et je veux pas dire que automatiquement ça crée un mauvais pattern, mais lorsqu'une jeune femme va montrer son corps pour de l'argent, c'est très possible que d'autres mauvais patterns vont survenir par la suite. Peut-être qu'elle va se rendre compte « Hey, je fais de l'argent avec mon corps. » Peut-être que je vais faire autre chose. Et c'est très triste, mais en 2020, on se mentira pas. Il y a eu l'essor au cours des dernières années. Bon, la pornographie, c'est certain. Du côté escort, des accompagnatrices, des sites web de Sugar Baby, les Sugar Daddy, c'est devenu ultra populaire. Donc, si dès 14, 15, 16 ans, on montre à des jeunes filles comment faire de l'argent avec OnlyFans et leur petit corps, qu'est-ce que ça va faire à 18, 19 ans? Donc, c'est mon opinion de OnlyFans en ce moment. C'est pour ça que ça, je le digère tout simplement pas. Et comme je le dis, c'est peut-être parce que je veux avoir un enfant, mais de voir des jeunes femmes comme ça qui montent leur corps à tous les jours pour de l'argent, pour le monétiser et qui s'en vendent comme ça auprès de leur audience qui est composée, je le répète, de jeunes filles, ça me revient pas. Qu'en pensez-vous, vous autres? Est-ce que vous avez un OnlyFans? Est-ce que vous pensez qu'OnlyFans, c'est quelque chose de bien, c'est le futur? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous devriez faire pour faire de l'argent? De mon côté, je trouve que c'est de la calisse de merde. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se voit pour une prochaine vidéo, guys.